colore la pièce au beurre clarifié. Tu sais, on a enlevé le petit lait du beurre, un beurre clarifié. Tu as le parfum du beurre et tu n'as pas l'inconvénient du beurre cru parce qu'il ne brûle pas. Si tu veux, tu peux monter un peu plus en température, avoir une belle caramélisation. Parce que si tu fais ça au beurre cru, il y a le risque de le brûler très vite. Et la poêle très chaude. Oui, la il faut marquer la colorée. Le fait de la saisir, ça crée une espèce de carapace sur le four, si tu veux, qui emprisonne les sucs de la viande à l'intérieur. Mais tu vois, regarde la couleur. Et écoute, tu vois, écoute le chant, là, tu vois. C'est pas la peine de raconter des histoires. Tu vois, c'est doux, c'est clair. C'est... En fin de coloration, tu rajoutes un peu de beurre cru. Qui va mener un parfum supplémentaire par rapport au beurre clarifié. Par contre, celui-là, il brûle relativement vite, donc j'ai baissé la puissance du feu. Tu vois. Voilà. Et dans l'absolu, tu fais ça avec un beurre demi-sel super. Après, un tour de moulin à poivre et ça suffit. Dans mon tiroir. Elle aurait mérité un poil de repos de plus, hein, mais...